Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinté Flash direction ce mardi sur l'hippodrome de Chantilly. Ce sera l'occasion du prix de la chambre de Monsieur le Prince. On va évoluer sur 2000 mètres, ce sera sur la piste du Jockey Club. Et sans plus attendre, nos bases avec le numéro 3 népalais qui vient d'échouer d'rien pour la gagne à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Deauville. La distance est dans ses cordes, sur sa lancée, il va falloir compter avec lui. Le numéro 16, Full Flow, une excellente performeuse qui vient de s'illustrer pour une cinquième place à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Deauville. L'engagement est là très favorable, on va la garder très haut. L'As, Brooke, qui reste sur trois belles performances, dont deux accessites à ce niveau. Il semble proche d'un nouveau succès, il va se plaire sur ce parcours. Les plus annoncés vont l'avantager, il doit lutter pour la victoire. Du côté des opposants, on va se méfier du 4, Valbassette, qui n'a encore jamais déçu en compétition. Il sait finir ses courses et les 2000 mètres vont probablement l'avantager. Il peut se révéler d'entrée dans cette catégorie. Le numéro 7, Height Lady, qui vient de prouver sa forme à ce niveau, deuxième sur les programmes de Longchamp. Elle s'est classée cinquième lors de son unique tentative sur ce parcours. C'est une prétendante aux accessites. Le numéro 6, Coubert, qui est plutôt régulier et qui s'adapte à toutes les distances. Mais il y a meilleur que lui au départ. Il aura besoin d'une course limpide, raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas dans ma sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 11, Villa Wagram, qui est irréprochable depuis ses débuts. Elle semble avoir pris du métier en province ces derniers temps. C'est une graffard, alors il n'est pas chaud bouillant avant le coup. Toutefois, je me dis que si elle se présente au départ de cet événement, c'est avec quelques ambitions. Il faudra s'en méfier au moment des choix. Les outsiders avec le 2, Norville, très plaisant depuis ses débuts. Il vient de connaître son premier échec pour ses débuts à ce niveau, mais c'était sur la PSF. Il sera beaucoup mieux sur le gazon, on va le racheter. Le 15, Noble Amber, pardon, qui traverse une belle passe actuellement. Elle tient la distance, alors ça se complique pour elle à ce niveau. Mais à ce poids, et comme elle a été supplémentée, mieux vaut ne pas la négliger. Le numéro 13, Sweet Betsy, son unique succès a été acquis en débutante sur le sable. Elle n'a depuis pas démérité, mais sans être véritablement transcendante. C'est un test ici, mais elle aussi a été supplémentée, donc il faut s'en méfier. Le numéro 5, Magic Davier, qui vient d'ouvrir son palmarès dans un maiden à Saint-Malo. Ce sera une première sur la distance. S'il n'est pas pris de vitesse, il a le droit de garder un lot en finale. Le numéro 8, Super Super Sonic, qui a réalisé un été de toute beauté, ouvrant notamment son palmarès dernièrement sur l'hippodrome de Deauville. Il va se plaire sur la distance. On y compte. Je l'ai peut-être mis un peu bas. Si vous avez la place, vous avez le droit de le remonter. C'était vraiment un doute. Je suis un peu dans le flou avec lui, mais méfiance. Plus j'en parle et plus je suis convaincu. Le numéro 10, Prince de Montfort, qui vient d'ouvrir son palmarès à un niveau moindre sur cette piste. Il a été pénalisé de 3 kilos, donc la donne change. Pas sûr qu'il ait les moyens de confirmer. Lui, par contre, j'ai pas de regret de le mettre aussi bas dans ma sélection. Et enfin, les délaissés, avec le 9, ici, Vindecy, excepté un succès en juin dernier sur l'hippodrome de Vichy, elle n'a cessé de décevoir, notamment à ce niveau. Je préfère l'éliminer. Le numéro 12, Hockey Boomer, elle alterne le bon et le moins bon, mais semble avoir montré ses limites face à une telle opposition. Je la préfère nettement à un niveau moindre. Et enfin, le numéro 14, Cœur Davier, qui est plutôt régulière dans l'ensemble, mais a échoué lors de son unique tentative à ce niveau. Même en valeur 35, je ne suis pas véritablement séduit, raison pour laquelle je l'écarte de ma sélection également. Voilà, on va se quitter justement avec cette sélection et des conseils de jeu. À vous de jouer.